Et salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo The Isle Evrima. Normal, pas Quality Assurance, rien du tout. Parce qu'il nous faut pas beaucoup de lag. Évidemment, vous avez vu le titre de cette vidéo, Pter Assassin. Et oui, il est de sortie. Alors l'objectif, ça va être essayer de faire un kill avec le Ptera. Bon, ça va être très très compliqué, notamment contre ces pauvres Deinosuchus qui vivent l'enfer à cause de moi. Non, c'est impossible de les tuer parce que d'un, ils sont trop gros. Et de deux, s'ils ont des problèmes, ils se cacheront sous l'eau. Mais ça permet juste de s'entraîner un petit peu, de faire des moves au-dessus de l'eau et tout ça. Donc voilà, objectif, ça sera de débloquer le compteur de kill avec Terra Assassin. Parce que j'ai envie d'essayer de train ce dinosaure. Et pourquoi pas essayer de faire quelque chose avec. Je crois que c'est ambitieux de ma part. Mais bon, c'est pas grave. Vous avez vu qu'en gros, là, ils peuvent pas trop me toucher. Ils peuvent pas trop me toucher. Et si le bougre de crocodile ne plonge pas dans l'eau, eh ben, tout simplement il est mort. Mais bon, hein, ça va être, je pense, impossible de le tuer parce qu'il va plonger dans l'eau. Mais imaginons, on voit un crocodile dans une plaine ou un truc comme ça, ça serait quand même intéressant de pouvoir le chasser. Et voilà, hein, en gros, l'idée c'est de faire du beau jeu avec le Ptera. Le beau jeu, on aime bien, donc on va essayer de faire un beau jeu. Oui, il n'y a pas la cam, c'est vrai qu'il n'y a pas la cam, franchement, la flemme. Ah, la flemme de mettre la cam, voilà. Donc bah écoutez, il n'y aura pas la cam pour cette fois-ci, mais c'est pas très grave, disons-le. Bref, bon, vous avez compris un petit peu l'idée de cette vidéo. Alors ça va être, je pense, très compliqué de faire au minimum un kill. Parce que bah, les autres dinosaures, ils vont pas se laisser faire. Les autres joueurs vont pas se laisser faire. Hein. Moi, ce que j'aimerais vraiment, ça serait de faire un kill sur un petit Uta qui court, un petit Carnon qui court. Un Carnon, ça serait vraiment le top. Pourquoi pas un Stego, quelque chose qui bouge un peu. Et ça va être, je pense, très 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 compliqué. Je vais mourir de nombreuses fois, c'est certain, mais bon, c'est pas grave, on est là pour créer la légende de Ptera Assassin, le Ptera meurtrier, qui je pense ne va pas revenir très souvent parce que ça va être l'enfer. Donc, bah, si vous appréciez mon contenu en général, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si vous ne l'êtes pas, et bon, c'est Coco, je les tuerai pas. Donc on va essayer de se fighter contre quelque chose que je vais tuer. C'est la guerre. En avant. Non, il y a un cannibale en fait qui traîne ici là. Il a essayé d'attaquer mon pote Luco. Et écoutez, ça va pas passer. Donc on va essayer de se faire un petit combat aérien contre lui. Il est par là-bas. Donc on va essayer de le retrouver déjà. Oula, oula. Attends. Ouais, oh, tu as tué Ptera. Il a tué Ptera à l'attaque. Vas-y, je vais le piquer lui. Ah, ok. Et ouais, ça fait une heure que je les traumatise, que je fais que les piquer. Et en vrai, je pense que je leur fais quand même pas mal de dégâts parce que j'ai déjà joué Deino et Ptera, il peut te tuer quand même assez rapidement quand t'es juvénile, donc faire attention. Et je l'ai vu, il est là. C'est lui le cannibale. Bon, on va essayer de le fighter. Combat aérien, ça risque d'être très très compliqué. Viens là. Ah, raté, dommage. Attendez. Bon, écoutez, combat aérien, peut-être pas, on va. On peut se poser sur les arbres, c'est très compliqué, mais on peut le faire. Donc, ah, ça y est, il y a les renforts qui arrivent. Les gars, il est là. Ça va être n'importe quoi. Ça va être n'importe quoi, ce moment. Aïe. Le combat de Ptera, ça va dégénérer. Hein. C'est obligé. Ouais, crie. T'es mort, mon pote. Il a essayé de bouffer les autres. Ne croyez pas que c'est gratuit. Paf. Voilà, viens là. Paf. Aïe. Oh, putain. Oh, là, j'aurais pu y passer. Hein. Oh mon dieu. Les gars, attaquez-le. Voilà, ça y est, ça commence. Ah putain, j'ai plus beaucoup de stam par contre. Ça va être compliqué en vrai. Viens là. Aïe. Il y a ici. Non mais là c'est sûr. Oh, je sais comment ça va finir cette histoire. On va se rentrer dedans, on va tomber et on va se regarder par un dino dans l'eau, un truc comme ça. C'est sûr. Là vraiment c'est trop compliqué. Et voilà. Oh, ça va, ça tient. Ouais mais j'ai plus de stam. Je vais plus pouvoir continuer le combat. Ouais, c'est ça, crie. Et il a dû être surpris. J'étais seul contre lui et d'un coup c'est bataille aérienne. Défense du ciel de Londres, 1941. Non, ouais, peut-être que je pars un peu en cacahuète. Mais ouais, non, les combats aériens contre les Ptera, c'est vraiment beaucoup trop dur. Ouais, et surtout niveau stam, ça va être plus compliqué. Voilà, il suffit juste qu'il se casse et puis en vrai c'est terminé. Hein. Non, c'était juste un petit moment d'égarement. Oh, il y a plein de trucs qui arrivent là-bas. Petit moment d'égarement. On va essayer de faire autre chose.
que combattre des cannibales, j'ai essayé de faire respecter l'ordre et Terra Sassène. Mais écoutez, Terra Sassène n'est pas psychologiste. Bref, on va essayer de se fighter contre quelque chose de notre taille. Enemy spotted. Voilà, c'est une cible parfaite, hein. Ça fait une heure que j'attends là. Petit Carnot comme ça coincé dans l'eau. À l'attaque, fondons sur notre proie. Tel un Mirage 2000 ou un Pteranodon 2000 ou Terra Sassène. Pique! Tiens! Oh ouais, dans le jeu. Oh non, il va se barrer. Viens là. Pouf! Oh, incroyable! Il est tombé, incroyable! Allez. On le chope. Je sais pas combien de coups je dois le tuer. Hop, pouf! Pouf! Et voilà, cet entraînement contre les Deinos, il est où? Il est mort? Ah, oh, je pourrais même pas le manger, quoi. Bon, est-ce que vraiment je comptais le manger? Mais ça aurait été pas mal. Ouais, je crois qu'il est mort, hein. Y'a plus rien qui bouge, là. Bon, ça c'était une attaque. Ça c'était une attaque fatale. Fatale attaque, Terra Assassin. Voilà. Allez, on se casse. Comme si de rien n'était. Retourne dans mon arbre. Et c'est mon terre-terre. Hop là. Wouhou. Eh, y'a un truc qui vient ici, je le fume. Ok. C'est chez WAM ici. Hop là. Wouhou. Là, j'en ai vu un. Un petit tuta qui traverse. Il est mort. Terra Assassin va fondre sur lui. Il est où? Il est là. Tiens. Pique. Non, je l'ai raté. Hop, il y en a un autre. Oh merde. Oh chic. Ouais, viens m'aider toi. Oh non, il va se faire fumer. Viens pas m'aider en fait. Ah, l'attaque. Bon, Terra Assassin, combat à pied là. Ça n'a pas de sens. Bah, j'ai fait en plus. Vas-y, meurs. Meurs, boule. Et en plus, vous avez vu, il y en a un qui est mort, hein. Il y a notre petit Terra qui est mort, je sais pas si vous l'avez vu dans l'eau là. Ah, ils l'ont tué. Ah bah alors toi, voilà. Tel un escrimeur, Terra Assassin plante ses victimes. Voilà, regardez ça, la fierté. La fierté du Terra qui tue des petits jutas. En vrai, on peut pas s'attaquer à grand chose d'autre hein, que des tout petits trucs. Parce que, bah évidemment, on fait pas assez de dégâts. C'est notamment au niveau des dégâts, hein. C'est pas tant au niveau de la dangerosité. Bon, les Utah, évidemment, quand ils sont grands, ils sont extrêmement dangereux. Mais surtout au niveau des dégâts qu'on fait, on en fait vraiment pas beaucoup. Donc, à part tuer des juvéniles, on peut pas tuer grand chose. Parce que, bah, il a pas été fait pour ça, je pense, ce dino. Donc, voilà. On tue des juvéniles. Ça, c'est le frère de l'autre là-bas, là. Donc, il va bouffer son frère. Il avait faim. Tiens, mange. Mange ça. Et l'autre là. Lucien va le becter. Bon, c'est un peu dangereux quand même comme manip. Mais viens là. Allez. Moi, je suis pas du free kill. Moi, je tue pour manger. Je tue aussi pour le spectacle. Bon. Et pour nourrir les bébés. Pour nourrir les bébés, c'est très très important de nourrir la famille. Que les Ptera se multiplient dans ce monde. Et que ils dominent. Oula. Oh le bâtard. Le gros Dino là. Monstre côtier. Ouais, oh, le petit qui est caché. Monstre côtier. Eh, tu croques quoi? Oh, tu me fais peur? Je vais le fumer. 1v1 situations. Deinosuchus full adulte. VS Ptera. Ça c'est un full adulte. Ouais, montre-toi si tu l'oses. Il est où? Eh, vous voyez? Voilà, il se cache, hein. Sous les jupons des femmes. Non. J'ai référence à une série que j'avais commencé, que je n'ai jamais terminée. Ah, il est là. Viens ici. Bougre. C'est très dangereux. C'est pas malin de faire ça. Mais bon, écoutez, voilà, on peut pas s'en empêcher. Aïe. Il y a un petit moment où j'ai des problèmes de... d'atterrissage quand même, hein. Je me suis grillé à un arbre. Bon, écoutez. Bon, je vais me barrer, je vais manger ça, je vais nourrir les petits. Et après, je les abandonnerai à leur sort. Voilà. Je pense qu'on va faire ça comme ça. Yo le Teno, bien le bonjour, camarade. Salut à toi. Je viens de contrer lointaine et je cherche, si tu veux, des ennemis. Je cherche à me battre, je cherche à rencontrer un adversaire à ma taille. Alors, si tu as quelque chose à me proposer, j'aimerais bien. Oh, là-bas! Là-bas, c'est quoi? C'est un Carnot. À l'attaque! Piqué! Paf! Dans le boule! Viens là. Ouais, ça va être impossible à tuer, ça.
Mais bon, on tente quand même le combat. J'ai déjà piqué deux fois. Je sais absolument pas les dégâts que je l'ai mis. Il est gros quand même. Il est gros, évidemment. La moindre erreur sera une erreur mortelle, fatale. What? Oh, les lags. Ah ouais, mais par contre, c'est ça qui est terrible dans le genre. Ah, il est pas content. Comment ça, tu me cries dessus, toi? Viens me battre, plutôt. Paf, piqué. Piqued. Il est passé où? Ouais, bon, en vrai, je pense qu'il faut se rendre à l'évidence. On l'aura pas. J'ai tenté le combat, c'est vrai. Bon jeu, mais bon. Le Carnot court trop vite. Il faudrait que je tombe sur un Stego ou un truc comme ça qui court vraiment pas vite, qui peut pas se cacher. Là, en vrai... Ce qui est pas mal contre les trucs qui courent moins vite et qui peuvent moins se cacher, c'est le Scent. Vous voyez qu'ici, bah écoutez, on peut renifler, savoir où il est. Oh mon dieu, le lag. Ah, je vais pas en parler, c'est bon, j'en parle pas, vous savez. Je vais pas tirer sur une ambulance. Je vais laisser cette ambulance tranquille. Mais ouais, les lags, pour s'entraîner, ça reste un peu compliqué. Mais ouais, vous voyez qu'ici, en fait, avec le Ptera, on peut traquer une proie à l'infini. Hein, donc c'est quand même pas mal. Oh, il est là. Il est là. Je vais le piquer quand même. Viens ici. Mêlée. Paf. Ouais, je l'ai chopé quoi. Il doit se dire je suis un pro. Il est où? Bon, il a encore disparu. Bref, bon, je pense que je vais y aller. Je vais essayer d'affronter autre chose pour terminer. Voilà. Les gros trucs comme ça, c'est pas très gros, mais les trucs comme ça, en vrai, c'est trop compliqué à tomber. Il faut trop de coups. Et ils peuvent se cacher à peu près n'importe où, trouver une petite planque et tout. Donc, mais je pense qu'on va aller chasser une IA. Voilà, pour tester les dégâts un peu qu'on met. Et écoutez, ça finira là-dessus. J'ai pas pu tenir. J'ai recroisé l'autre Carnot. Bon, il a trouvé une famille. C'est ça le problème. Ils m'ont un peu esquinté. J'ai pas filmé ça. J'étais en train de boire. Je me suis pris un croc. Mais il est vraiment pas bien le Carnot que je chassais, donc j'ai vraiment envie de le finir. Et là, il y a un petit aussi qui est là-bas, là, au milieu de tous. J'aimerais bien le choper. Mais on va dire c'est un peu dangereux quand même. C'est un peu dangereux parce que ça lag à mort le coin. Et il y a quand même pas mal de Carnot aussi. Hein. Je pense que c'est pas le bon move. Mais on va quand même le faire, on va le tenter, le beau jeu. Ptera assassin qui voit sa cible. Il lui fonce dessus et il va le piquer dans le lard. Et je l'ai raté. What? Aïe aïe aïe. Ah ouais, non, mais ça lag vraiment trop, c'est terrible. What? Oh mon dieu. Non, mais non. C'est lui, en plus je le reconnais.